Cette conférence de presse est de aussi non seulement informer l'opinion nationale et internationale sur les actions que nous menons dans le cadre de la transition, mais mieux encore, interpeller les autorités de la transition et les Guinéens de façon générale, que nous sommes dans une situation inédite qui demande aux Ouzes aujourd'hui un sursaut national, qui demande un sacrifice pour chacun pour nous tirer du bourbier en question. Reprocher au CNRD, je pense que nous avons déjà dépassé ce cap. Au jour d'aujourd'hui, c'est simplement dire si c'est un message pour le CNRD. Il n'y a aucun secteur aujourd'hui où nous pouvons dire que leurs actions permettent de rassembler les Guinéens, mais d'impacter positivement la vie présente et future des Guinéens. Donc c'est pour dire davantage que nous avons sciemment conseillé, plaidé et orienté à une dimension donnée. Mais s'ils sont sous l'effort de l'ignorance ou s'ils sont sous l'effet de la méconnaissance des choses, nous leur donnons des conseils. Mais s'ils sont sous l'effet de l'orgueil, pour se leur dire une fois encore, à l'allure des choses, il n'y a pas d'avenir possible pour leur honneur dans le pays, mais mieux encore, ils ne sont pas en train de servir le pays vers un progrès collectif. Pour nous, même en 10 mois, si la volonté politique y est, nous pouvons sortir de la transition. Donc nous, la question ne se pose pas par rapport au glissement, parce que le glissement serait dangereux pour la Guinée. Et ça sera dangereux à tous qui vont prendre cela comme une option. Donc pour nous, il s'agit de se ressaisir les uns les autres. Pour nous, il s'agit de voir la souffrance, la paupérisation au jour d'aujourd'hui des Guinéens pour dire que l'option dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire une transition, ne permet ni la confiance, ni la mobilisation, et pire encore, même la sécurité, le sentiment d'être en sécurité, ça ne nous offre pas. Donc l'option serait aujourd'hui de sortir de là, si nous pouvons, même d'ici mi-2024, ce serait l'idéal.